J'aime Marcel. Fabien, j'aime l'équitation, le tir à l'arc et le théâtre. J'aime aussi entrer fort mon papa et ma maman. De temps en temps, vous me verrez emparer dans cette pièce de théâtre. Pourquoi je ne sais pas. Sans moi, pas de pièce de théâtre, j'aime la responsabilité du brigadier. Qui entend le théâtre avec nos cultures, peut-être est pour ce qui je suis là. La vitesse de la lumière. Et je mets une heure pour trouver le bouton. J'ai pourtant dormi en courant. J'ai pas dû courir assez vite, je suis encore fatigué. Allez, c'est parti pour la journée. Allez, c'est parti. Elle est trois fois ce matin. Trois fois, c'est beaucoup, hein. J'ai voulu me lever et je me suis rendormi, hein. 6h30. Vous croyez que c'est une heure pour venir travailler? On me dit que c'est un métier de feignant, bistrot. C'est parti. Ah, salut toi. Justement, avec toutes ces histoires de pognon dans le cerveau, ouais. Finalement... Ben c'est peut-être ça qui va donner aux jeunes l'envie de faire du sport. Hein. Et de toute façon, alors même si tu peux acheter les jouets, ouais. Tu pourras jamais acheter le ballon. Hein.
C'est un genre de sécurité. Ouais, ouais. Bah, tu sais, le foot pourri donne souvent des plus beaux matchs que le foot honnête. Bah, un petit canon le matin comme ça. Allez, ouais. Rouge, rosé. Allez. Allez, un petit rosé, ouais. Un rosé, voilà. Allez, allez, on marche pour le rosé. Allez. Ah, je t'accompagne. Allez, ouais. T'es bien rentré hier? Je sais pas. Bon. Mmh. Bon. Et tiens, je t'ai pas dit? Non. J'ai un pigeon qui m'a pondu dans la parabole. Oh. Je te l'ai pas dit? Ben non, j'écoute pas tout. Oh, c'est pas vrai! Ah, le blanc, Armelin! Oh, que ça fait plaisir! Eh ben, ils ont fait longtemps, hein! Oh, que ça fait. Ah, dis-moi, j'ai pensé à toi! Hein. Oh, ben, c'est gentil! Ah, ben, c'est gentil! Voilà, hein. D'après ton vacances, mais. Ah, tu bon, penses quand même au barman, hein, c'est sympa! Ah. T'as ramené quelque chose? Ah, ben, non! Oh, c'est pas vrai! Ah. Allez, allez, allez! Fleuris-moi, fleuris-moi, ah, regarde, c'est pas de la rigolade, hein. Les gentilles hors saison, ouais. T'as le même tort que la campagne, ouais. Ouais. Et si chaque Français prend un bout de campagne chez lui, ouais. Je sais pas moi, un arbre, une mare, une vache, et ben la campagne, et ben les sauver, ah ouais. Mais l'étranger c'est bien, hein. Ouais. Ah, oui. On sait pas trop quoi manger, mais sinon c'est bien. Ah, moi j'aime pas trop les pays où il n'y a pas de poignée aux portes. Hein. Oh, ben pas clair, toi, rosé. Ben, c'est du rosé du matin. Hein. Et ben moi le matin, je me lave les dents du haut. Et le soir, je me lave les dents du bas. Ah oui. C'est que j'aime pas trop le goût du dentifrice. Hein. Oh, c'est pas bon. Oh. Eh, dis donc, eh. Ça y a été le rhum. T'as le nez tout paysanger. C'est moi. Ah. Oh, on dirait un quart de France, gare en dessous. T'as la Corse, ça non, c'est une course de nez. C'est comme en Espagne où on était, il n'y avait que des Allemands. Mais à la limite, c'est mieux, hein. Ah oui. Eh ben, tu vois, l'avion, ouais. J'ai bien aimé. Hein? Par contre, il ne s'arrête pas à toutes les gares. Alors, hein, et moi, j'en ai vu du rhum blanc. Eh ben, mais j'ai tout dégueulé devant mon patron. Wow. Ouais, non, mais c'est pas grave. On dirait de l'eau. Ah, les infos, 6h30 du matin. Ouais, 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 écoutez, écoutez, écoutez. Comme là-bas, la musique. Une puce n'a pas de couilles, pas la place. C'est toi, la comète assis. Le matin, le soir, le matin, le soir, le matin, le soir, comme en France, hein. Ah ouais. Pareil, hein. Ah ouais. En plus chaud, bien ouais, sûr, en plus chaud, comme en Afrique. Mais en Afrique, t'as pas de robinet, mais c'est pas mieux, hein. Ah oui, mais attention là-bas, ouais. Hein, la mer, ça baisse jamais. Non. Oui, eh ben moi, à mon avis, il y en a un qui rajoute de l'eau. Ah, oh, c'est des conneries, ça. Ouais. Ça, c'est des amuse-cons pour les amuser, ouais, ce que c'est. Hein. Et de toute façon, j'aurais trois pieds. Ouais. Mais j'en laverai qu'un. Ah ouais, ouais, tu connais la grammaire, toi. Ah. Hein. Eh ben, tu vois, le naturisme, oui. T'es à poil dans la nature. Oui. Eh ben, le nudiste, t'es à poil dans les dunes. Ah oui. Voilà. C'est ça la différence. Mm. Ah, moi, le nudiste, je suis d'accord, mais attention. Oh, oh, je garde mon slip, moi. Je m'en fous. Ah, c'est bon, alors. Salut. Eh ben moi, les docteurs, hein, c'est pas un procès que je leur ferai, c'est une transfusion. Ouais. Ah ben, un docteur, si t'en veux, moi j'en connais un très bon. Parce que le docteur, en ce moment, c'est pas très à la douzaine. Et dis donc, tu me resserres un galopin, là? Oh, tu peux pas prendre un demi? Ben non, je bois plus. Allez, un petit pouce. Sopara, tartine. Oula. Et tu lui mets un noyau d'olive, elle te chie un 10 000, ça fait, hein. Ça. C'est le journal d'hier, ça. Et, ah, c'est le journal d'hier, j'ai encore pas le journal. Et attention, hein, attention là-bas, et. Hein. Le chien aboie. Oui. La caravane roule dessus pour le calmer. Wouhou, il va être content. Ah ben tiens, des caravanes si t'en veux. Ben moi je peux t'en avoir, hein. En toile légère, des caravanes où t'as même pas besoin du permis, dis donc. Le terme technique, c'est une tente. Et plein le verre, hein. Oh, oh, je connais mon métier, hein, allez, oh. Ah. Moi-même. Hé, hey, t'as vu l'émission de Brigitte Bardot hier?
Ah non. Défends les animaux. Ah non, non. Hier? Ouais, hier soir. Ouais. T'aurais vu ça. Il y avait plein de trucs dégueulasses. C'était super. Et du genre? Du genre des canards. Le type les accroche à son cou et il arrache la tête, dis donc. Des mecs suspendus à la tête des canards? Je comprends pas. Si, si, si. Et la tête s'en allait. Ouais, t'es sûr que t'étais pas plutôt déchiré hier soir? Non, non, non. Et la tête? Hop! Comme ça. C'est des nains, tes mecs suspendus à la tête des canards. Non, non, non. Là, ils sont en l'air, ils tiennent la tête et le bec. En l'air, et le canard, il vole. Eh, merde. Eh ben, tu vois, l'avantage hein, de visiter le désert, oui. Eh ben, c'est que t'as pas besoin d'apprendre la langue. Ah, je retourne les infos. Toujours la même musique, hein. Quand il gèle à pierre fendre, ça écarte les fesses des statues. Par contre, t'as plus de main, c'est bizarre. Hein? Eh ben moi ça, je vous l'avais dit, hein? Ah, ça c'est vrai, elle l'avait dit, hein? Ouais? Hein? Elle avait dit ça? Ah oui, oui, je l'avais dit, hein? Ouais. Hein? Elle avait dit ça? Ah! Moi, j'étais à Rome, hein. Ah, bah oui. Et oui, et Rome, et ben c'est Paris entre pareil. Ah oui. Oui. Ouais, et ben l'aventure, si c'est se geler les noix au pôle Nord, et ben moi je préfère rester dans mon lit avec deux glaçons dans le slip, hein. Le chocolat de madame est avancé. Merci. Et ma tartine? Vous vouliez une tartine? Bah oui. Eh, ma petite dame, c'est un bistrot, c'est pas un hôpital ici. Ben, il nous faudrait un autre Jean-Paul Sartre pour avoir de nouvelles idées, hein. Mais alors sans l'œil qui décolle, hein. Et attention, hein, là-bas. Oui. Europe Assistance s'occupe que des Européens. Ah. Oui. Et les autres, ils ont Chameau Assistance. Vous vous rendez compte? Fellini est mort et ils ont même pas repassé Il était une fois dans l'Ouest. Ouais, non, mais ça, c'est en fait exprès, parce que dans le showbiz, ils ont de la famille en Yougoslavie maintenant, hein. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Eh, sinon, pour les canards, hein. Ouais. Moi, je peux vous avoir la cassette, hein. C'est vrai? Ah ouais, pour moi, c'est simple, juste un coup de téléphone à donner, hein. Ah, ah ouais. Ah ouais, c'est sûr. Ah, oh, je suis pas malheureux quand même, en fait. Monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive donc? Oh là là, que du malheur, hein. Bonjour, oh, madame. Qui donc s'est garé, ma petite bonjour, dame monsieur. Bonjour, monsieur. Tiens, Nicole, ben... t'as mis tes mots boots? Oh là là. Eh ben, ça y est, hein, ils vont être obligés de la mettre à l'hospice, hein. Parce que quand elle invitait des gens, eh ben, elle faisait cuire les assiettes. Oh là 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 là. Moi j'ai toujours dit, hein, la France vieillit, regardez les jeunes maintenant, ils font des gosses à 60 ans. Ah oh, ben ouais. Eh, moi, une paire de chaussures neuves, et j'ai l'impression que j'habite un beau quartier. On dirait des bottes de 7 litres ça. Et dis donc, toi qui voyages partout là, t'as dû voir ça, il paraît qu'à Venise, hein, à Venise, il y a du thon qui nage dans la rue. Enfin, ce qu'ils appellent la rue, hein. Oui, 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 mais attention, hein. Il y a des régions, hein, où le thon, on l'appelle la biscotte de la mer. Ah. Oui, oui. À cause des miettes. Ah. Eh bien, si t'en veux des biscottes, mais moi je peux t'en avoir. Hein. Ah, t'en oui. veux une, t'en veux 10, t'en veux 100, t'en veux 1000. Moi, juste un coup de téléphone à donner. Oh, remarque, hein, ça c'est rien, hein, à côté des Bermudes. Le triangle. Oui, le triangle. C'est ce qu'on dit, hein. Oui, oui. Eh bien, vu d'avion, c'est pas un triangle. Ah non. Non. C'est quoi? C'est un carré. Un carré? Oui. Ah. C'est le carré des Bermudes. Au moins, tu sais, la grammaire, hein. Oh, remarque au fond, hein, ça change rien du tout. Ouais. C'est toujours une figure géométrique. Tout à fait. Eh oui, hein. Pour les biscottes sans sel, hein, par contre. Il faut un petit peu de délai, hein. Ah bah oui, c'est normal. Ouais. Ah oui. Bon, ben là, moi, je vais aller chercher mes bouchées à l'arène, hein. Ouais, d'accord. Oh. À plus, hein. À plus, à plus, à plus. Tu sais, l'eau, ça rentre partout, même dans le trou du cul. Alors, pour elle, hein, inonder ma cuisine, hein, ben, ça a été rien du tout, hein.
Eh ben, t'as les mêmes problèmes que Catherine Deneuve dans... Oh, dans je sais plus quel film. Attends, oui. Elle est avec son mari. Ils ont un rat. Lui, il arrive. Et elle, elle est en train de planter des gaïoles. Non, c'est pas celui-là. Mais si, il pleut tout le temps. Ah, mais les mêmes. Elle fait du vélo. Et lui, eh ben, il a plein d'ennuis. Mais il n'ose pas lui dire. Oh ben, c'est un titre connu. Hein. Non, c'est pas celui-là. Je te dis, c'est pas celui-là. Mais si, il est passé au moins 10 fois à la télé. La télé, c'est tellement con, même les pigeons se posent plus sur les antennes. Sauf sur ma parabole. Et je te l'ai pas dit. Ah, mais j'écoute pas tout, moi. Si, ils ont pendu. Hein. Mais je te crois. Ça se passe pas pendant la guerre. Ils mangent pas des communistes. Non, t'attends. Mais t'as raison. Il y a un moment où ils mangent tous dehors. Il y a une grande table avec une nappe et tout. Et Catherine Deneuve, elle mange aussi, bien sûr, puisqu'elle est dans le film avec eux. Ah oui, des ans qui mangent dehors. Ouais. Ah ben non, alors je vois pas, hein, non. Ah mais si. Bon allez, j'arrête d'y penser, ça me reviendra. Hein. T'as raison, hein. C'est quand on pense pas qu'on réfléchit plus, hein. Tiens, ben patron, moi je te rappelle qu'en Ile-de-France, on a quand même 280 communes. Et alors? Et alors je te le rappelle, c'est tout. Bah oui. Bon, ben, je te paie demain, hein, en même temps que je te ramène tes trucs pour nettoyer tes têtes de lecture. C'est promis, là, hein? Allez, non, mais c'est promis. C'est promis, parce que... Moi, quand je promets quelque chose, c'est promis. Ah bon? Ça prend mon vieux journal. Eh ben moi, mon foie connaît pas. J'ai même pas si c'est une fille ou un garçon, mon foie. Eh, hey, dis donc hey. En Birmanie, hein, hey. Pour te donner un exemple, eh ben c'est la femme girafe qui porte la culotte. Ouais. Bon, ben ce coup-ci, hein, bouche à la reine. Tu vois ce gars-là, le français, là, il est capable de nommer les juifs pendant la guerre. Mais alors dire à quoi un champignon, alors ça jamais, hein. Mais oui, non, mais les secs, hey. Il faut les cueillir tout petits, hein, si t'attends trop. Oui. Et les en cueillir en toi. Attends, t'es sûr qu'on parle de la même Catherine Deneuve? Mais oui, la blonde. Ah bah oui, alors c'est la même, hein. Hé, hey, patron, hey. Si tu vois gueule d'égout, tu lui diras que j'ai son ampoule d'antenne. Hey. Et le crâne de Mozart qui m'a commandé, là, dernièrement. D'accord. Celui que tu mets à l'oreille, t'écoutes de la musique. Oh, tu peux avoir des crânes de Mozart, toi? Bah non, je déconne, c'est une blague. Un iceberg, ces gars-là. Un iceberg. 3 fois plus con que ce qu'on voit. Mais ça y est, j'ai trouvé. Le pont de la rivière. Attends, c'est là où Catherine Deneuve, elle siffle tout le temps pour énerver les Japonais? Oh non, je suis désolée. Catherine Deneuve, elle a jamais, jamais sifflé dans un film. Bon, de toute façon, le pont de la rivière, c'est un livre. Ben oui, un livre. Hein. Tu penses bien qu'ils ne réfléchissent pas à chaque ligne, hein. Sinon, ils mettraient 10 ans à écrire un livre, hein. Hein? 10 ans. Gros plan. Oui, c'est là qu'ils mangent tout le temps dehors. Non, attends. C'est le mari qui scie du bois dehors, mais il mange dedans. Ah ouais. Ah bah ben, c'est vrai. Hein? Wouah! Tibule! Le mot de l'électricité? Oui. Eh ben, tu mets du là-dedans, elle a plus le droit de conduire. Eh ben, ça y est, on est au courant maintenant. Qu'est-ce qu'il voit, Tibule? Bah, un joli jolet. Allez, un joli jolet, c'est parti. Un joli jolet de ma carte perso. Et tu sais ce qu'on dit, hein? Plus le vin vieillit, plus la bouteille grandit. Ah, c'est du sérieux, celui-là. Ah oui. Je t'en mets pas trop, hein. Mais bon. Et alors, je m'excuse. Je préfère rien de contraire. Ouais. On soit le pays des 2 millions de fromages et des 300 immigrés. Mais s'il y en a une seule qui se pointe à l'école, avec le voile, mais le mien, mais je lui mets une casquette Ricard. Et
Kouchner. Oui. Il sait même pas mettre un suppositoire. Tu vois ça des couleurs, toi, ce matin, là. Vous savez pas ce qu'ils veulent faire? Ils veulent fermer les cafés à 9h du soir à Varennes. Ouais. Vous savez comment ça va se terminer, ces conneries? Varennes. Rayé de la carte. Ouais. Et s'ils ferment les cafés à 9h du soir, c'est pas la peine de les ouvrir, hein? Oh. Hein? Oh là 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 là. Bien. Bah écoutez, ils vont en parler. Ouais, ils mettent la musique. C'est la musique du désespoir. Hein. Les putes font le plus vieux métier du monde. Et surtout les vieilles putes. Ah oui, c'est sûr. Je voudrais pas remuer le couteau dans la plaie, mais quand même, moi je me souviens l'avoir vu avec Maurice ce film. Ah oui, je m'en souviens. Au fait, ça n'a pas été trop dur l'enterrement de sa maman. Oh, m'en parle pas. Alors au début, il était plutôt calme. Mais alors, quand le cercueil est descendu, s'énervait comme Jean-Pierre Coff. Ah ben tu sais, c'est comme les oies. Dans un couple, quand on a une qui meurt, l'autre oie, elle se remarie aussitôt. Ou ben sinon, ben elle devient pédée comme Aragon. Eh ben Sarajevo, il n'y a qu'une seule solution, hein. Le mur de Berlin. Hein. Mais c'est pas fou, hein. Oh, téléphone. Allô? Qui ça? Le louche, celui d'Athénée? Bah écoutez, je vois. Monsieur le louche? À la louche, je le vois pas, hein. On va regarder. Monsieur le louche? Eh, je louche pas, hein. Eh, je le vois pas. Et alors? Non, non, il n'est pas là. Merci, vous aussi, au revoir. Eh ben là, le plus bel instrument de musique, c'est la voix humaine. Et même que tu peux bouffer avec. Eh, le téléphone, quand il sonne pas, hein, c'est pas la peine de le laisser brancher, hein. Ah ben non. Moi, je vous le dis, avec toutes vos conneries, on va finir par faire disparaître l'homme de la planète. Et quand l'homme aura disparu, il ne laissera plus rien. Ça sera le désert. Plus de chiens, plus de mouettes, plus d'éléphants. Plus de mouettes. Il restera peut-être des insectes. Oui, des insectes sûrs, il en restera plein, des moustiques et des mouches. Hein. Beaucoup de mouches? Oui, des mouches à merde qui voleront comme ça. Oui, envoyez partout. Oui, envoyez partout. Ouais, vous avez déjà vu les mouches à merde avec leurs gros yeux qui volent, qui cherchent partout. Ouais, une grosse mouche à merde, une collègue. Ouais, mais cherche ailleurs, il y en a peut-être d'autres. Ouais, une deuxième mouche à merde. Ouais, on a déjà le troupeau maintenant. Mais peut-être qu'un jour, après plusieurs milliards d'années à chercher, au détour d'un chemin, elles tomberont sur une merde d'hommes. Et elles n'en croiront pas leurs yeux de mouche à merde. Et le bonheur sera revenu sur Terre. Ah oui, le bonheur sur Terre. Ah oui. Et les merdes à mouche, c'est pas plus sale que ceux qui font les mouches à merde. Les merdes à mouche, le tortillère. Mais... Bibi. La Bibi. Ouais. Avec sa Formule 1, il y a un livre en Formule 1. Je te jure, si jour il va se retourner. La mienne, elle a une Formule 1, mais il a 5 portes. Ah! Salut Billy! Salut Albert! Ah ben il pleut, hein? Non. Albert, c'est un vieux copain. Ouais. Il n'a pas de chance, il a eu deux catastrophes dans sa vie. Lutte. Ouais. Sa première femme est partie. Ouais. La deuxième est restée. Bon, c'est mes proches. Derrière. Comme d'habitude, à la réserve. Tiens, on attaque bonjour. Le roule. Bonjour, qu'est-ce que tu veux? Ah, ça c'est le fromage. Eh bien tiens, j'ai le rouge sur avec le fromage. Bonjour, allez. Bonjour. C'est fini de l'air pour qu'on attaque le rouge. Jonas. Ah, la Jonas. Oh, merci. Merci. Merci beaucoup. J'ai un petit verre de rouge.
Oui, oui, un petit verre de rouge. Bah oui, oui. Ah ben, le tunnel sous la Manche, si c'est pour aller en Angleterre, quel intérêt, franchement? Ils interdisent l'ivoire pour protéger les éléphants. Je vois pas le rapport. Waouh! Donzel, j'adore, tu peux faire deux slips. Oh là 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 là. Oh, un avion qui s'écrase. Moi, je monte pas dedans, hein. Oh, la guerre, plus vite elle commence, plus vite elle a fini, hein. Bah, et on nous interdire de dégueulasser l'Atlantique. Je vois pas, pourquoi? C'est de quel droit? Faudrait pas qu'un connard important meure. Il passe City à la télé. Bah, dis donc, faudrait me payer cher pour que j'ai des fantasmes, hein. Un tremblement de terre, autant que ce soit en Amérique qu'à Limoges. À Limoges, il y a de la vaisselle. En Amérique, pas rien. Vous avez vu le tapis? Ils lui ont mis 8 policiers dans sa porte. Oh putain, elle doit être immense, sa porte. Un peu, oui. Oh, les chefs de secte, tu peux pas les tuer. Ils adorent ça, ces cons-là. Les globules rouges transportent l'oxygène. Les globules blancs défendent l'organisme. Et les globules rosés? Ben, elle va être belle, l'Europe, hein. Les Allemands au nord, les Espagnols au sud. Et un train qui roule à 600 km/h, si tu le rates, il est où le progrès? Bon, 40 000 morts en Inde, hein. Pour nous, ça paraît énorme, hein, mais pour eux, c'est rien. Et pour une Miss Monde, il faut au moins 1m50 entre la bouche et le trou du cul. Eh ben, je savais pas, moi. Mais comment t'expliques la fin dans le monde? Regarde, il est même pas midi, hein. Quelle horreur, ce sida, quelle horreur. D'un autre côté, on peut pas forcer les gens à se laver. Non, c'est le problème, c'est le problème. Moi, le matin, je me lave les dents du haut. Le soir, je me lave les dents du bas. C'est que je n'aime pas trop le goût. Du temps de oui. Ah, tous ces morts sur les routes. Moi, si ça continue, je vais rouler sur les trottoirs. Ouais, hein. Les enfoirés, Dieu. Ouais. Non seulement ils sont à la retraite, ils ont gagné 6 milliards au loto. Ah, les enfoirés. Dieu. Eh ben tiens, il y a des gens, ils font un gosse. Ouais. Et ça devient le pape. Oh. Faudra m'expliquer ça aussi. Ah. En parlant de pape, ils vont être obligés d'élire un nouveau pape. Alors au Vatican, quand ils font l'élection d'un pape, eh ben, pour faire de la fumée noire, ils brûlent un pneu. Et pour faire de la fumée blanche, eh ben, ils brûlent un pneu neige. La guerre, ça fait monter le prix de la viande. Mais ça fait descendre le prix des gens. À quoi que les gens, c'est pas de la viande? Une troisième guerre mondiale. Après tout, pourquoi pas, hein? Bah oui, pourquoi pas, après tout. Oh la Bouddha Mania! La Bouddha Mania! Mais ce n'est qu'une façade, la Bouddha Mania! Bah, sans me vanter, moi, j'ai rien compris, hein. Bah oui. L'avantage, avec le pastis sans alcool, c'est qu'après, tu peux boire, hein. Eh ben, moi, c'est pareil. Quand je commence, je peux plus m'arrêter. J'en bois un, j'en bois 20. Moi, c'est pareil. J'en bois 20, j'en bois 40. Tiens, ils vont ouvrir un nouveau musée Picasso. Bah, faudrait pas qu'ils nous en mettent partout non plus, hein. Oh là là. Il a dû en faire une drôle de tête, le premier homme qui a fait caca, hein. Hé, dis donc, t'as pas déjeuné avec une savonnette, toi, ce matin? Oh, quel pays à la con, le monde. Même chose? Même chose. Patron, deux mêmes choses? Deux mêmes choses, deux mêmes choses qui roulent, deux. L'air qu'on respire, je vois pas pourquoi on le recrache, vu que 5 secondes après, on le re-respire. Les derviches tourneurs, c'est des feignants. On n'a jamais vu un derviche tourneur fraiseur.
d'habitude? Oui, avec un nuage de lèvres. Un nuage de lèvres, bien sûr. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Pas un mammifère. Ouais, ben un canari échappé, mais même pas à moi pour retourner à la vie sauvage. Ah, puis fais comme chez vous, hein. Deux blancs, comme d'habitude. Comme d'habitude. Et sans prendre un petit rosé, non? Bon. Deux blancs. Alors écoute, hein, c'est pas... Eh ben, il y a des oiseaux qui se posent jamais. Parce qu'ils ont pas de roue. Ah. Ouais. Eh ben, l'oiseau, quand il a volé longtemps, hein, il pue sous les bras. Le poisson, il peut vivre sous la douche si tu le suspends en dessous et que tu laisses couler l'eau. Oui, oh ben l'animal le plus dangereux, c'est pas la panthère noire, hein. Bonjour. 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 C'est pas la panthère noire, l'animal le plus dangereux. Vous êtes sûr? Ah oui, c'est la moule pourrite. Elles souvent fumées, paraît que c'est bourré de nicotine. Ah bon? Oh, à quel? Ah, ben quoi alors, les moutons. C'est pas fini de nettoyer. Allez, hop. Ah, oh. Ah, les moutons sont cons, ouais. Leur cervelle n'a pas de goût. Allez, vous aussi, là. Le seul oiseau qui peut écrire avec son cul, c'est la plume d'oie. Oui, oh, bah, les goûts et les couleurs, hein. Le coq, il est beau. Oh, le coq, il est beau. Mais c'est quand même la poule qui a le plus de responsabilités. Oui, et aussi un tigre. Tu peux te dompter une sardine, non? Ah, c'est vrai, ça. Ah oui, ouais. Et le poisson, c'est indomptable. Indomptable. Eh, dis donc, on aurait des copains poissons. Peut-être que ça nous changerait la vie. Ça, c'est vous qui le dites. On tue les animaux pour se nourrir. Mais au fond, bah, ce sont des êtres humains comme nous, hein. Oui, c'est vrai, mais pas la poule. Ah. La poule, elle n'a pas de système nerveux. Comme la girafe. Et la girafe, elle souffre une heure quand elle a bu trop chaud. Maintenant, elles sont toutes empaillées, les girafes. Il y a même des grillons qui habitent dedans. On les entend chanter la nuit. Oui, ben moi, j'habiterai dans une girafe. Hein. Ben, je fermerai ma gueule. Hein. On fait pas toujours ce qu'on veut. Hein. Personne ne fait ce qu'il veut. Dans les grands fonds, les poissons sont lumineux. Hein. Jusqu'à minuit. Mais après, ça gueule. Hein. Minuit pile. Tapons. Juste. Les aveugles, ils ont des chiens qui ont 10 à chaque œil. Eh ben, et ceux qu'on en ont moins? Eh ben, ils les donnent aux myopes. Ah, je vois. Bon, oui, mais c'est quand même bien un animal, hein. Il est là, il vous aime, il attend pour sortir, c'est gentil. Et c'est reconnaissant, c'est pas comme les gens. Les gens, vous les aimez, ils s'en vont. Ils écrivent pas, ils téléphonent pas, rien. Et la cantine, ça se remercie quand même, la cantine. Eh ben non, toujours rien. Ah là là, vous les avez nourris pendant des années. Acheter des cahiers, des crayons, des cartables. Eh ben, aucune reconnaissance. Et les biberons toutes les deux heures. Le jour, la nuit, et ça pleure. Oh ben moi, j'ai allaité au début, hein. Eh ben là, même pas, je vous dis rien. Aucun remerciement, aucune reconnaissance. Ben, vous savez, les gens, ils sont comme ça. Hein. Vous voulez que je vous dise, hein, si c'est à refaire, hein. Ben, je préférerais accoucher des animaux. Oh. Ah oui, alors. Les flamants roses ont des grosses couilles, mais sous les plumes, on les voit pas bien, hein. Exact, exact. Vous connaissez le tableau Le Sacre de Napoléon? Il y a deux flamants roses au fond. Eh ben, ils n'ont pas parlé couilles. Napoléon Ier et Napoléon III. Eh ben, c'était pas de Napoléon. Ouais. C'était le même bonhomme. De toute façon, de Napoléon, il serait bouffé le nez.
Et Monaco a été conçu sur un poulpe, hein. Mais tout le monde s'en fout, hein. Ah bah mais c'est normal, Paul. Le poulpe, c'est un poisson qui ressemble à un mouchoir. Ah ben là, je suis d'accord. Enfin, de toute façon, je suis toujours d'accord en général. Le meilleur refuge pour un animal abandonné, eh ben, c'est encore le porté. Ah oui. Bon, eh ben, écoute, là, ça va, Paul, assez causé. Hein. T'as raison, Mornay, parce que cet après-midi, on n'aurait plus rien à se raconter. Et dis donc, le cheval, ça revient à la mode, hein. J'ai mangé des lasagnes hier midi. Eh ben, dis donc, le français ne doit pas être quand même très con, parce que sur 20 ministres, hein, il n'y en a qu'un ministre de la Culture, hein. Ils m'ont fait la même chose que la dernière fois. Mais c'est pas rien, il y en a marre. C'est toujours pour ma pomme. Oh, tu parles. Aïe, 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 aïe. Les poules, c'est les chiens. C'est mort. Alors, quelle vie qu'on mène, quelle vie qu'on mène. La poubelle, elle est où? La poubelle, elle est dehors, sur le trottoir. Et on dit que ce sont les haricots qui font péter. Eh ben moi, je dis non. C'est les haricots digérés qui font péter. Nuance. Non, mais... Ouh. Avec tout ce que je leur ai fait, ils m'ont foutu dehors. Oh, ce qui vous était arrivé, quel malheur. Tiens, allez, un petit coup derrière la cravate, tu vas voir. Ça va aller beaucoup mieux. Quelle tristesse, mais quelle tristesse. Oh, tiens, regarde tous ces caricots. Ne touche pas. Non, 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 allez, non, allez, 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 viens, non, 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 allez, comme d'habitude. Oh là 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 là. Allez, hop, un petit coup. Tiens, on va trinquer à sa santé quand même. Hein. Viens trinquer, viens trinquer. Oh là là, oubliez plus. Allez, allez, allez. Oubliez la misère. Allez, allez. Tant qu'on n'est pas malade, va. Bah, c'est Jacques face à pas là. Ça fait du bien quand même. Eh bien, dites donc, je vous en dis une. En garde-me là. Il y a 2 minutes d'arrêt. Eh bien, ça suffit pour descendre, me là. Ouais, ouais, d'accord. Hé, 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 Ekmela, tu peux faire mule. Ah, bon, d'accord. Mais c'est quand il va te inviter? Pourquoi tu veux interdire le dîner de con? Mais on parle pas de ça. Mais c'est quand il va te inviter? Ah, mais on parle pas de ça, hein. Mais moi, je m'en fous, je l'invite, le con. S'il veut être invité, si c'est ça qui lui plaît au con, eh bien, con, l'invite. Mais on parle pas de ça. Ah, mais moi, je vais l'inviter, le con. Tiens, je vais me gêner. Le premier con qui rentre, tu vas voir si je vais pas l'inviter. Ah, on parle pas de ça. Et si tous les cons savaient voler, eh bien, ils seraient tous chefs d'escadrille. Ah, ben là, je suis d'accord. Hein? Mmh. Eh bien, tiens, c'est comme Père Birmar, s'il disait la messe le dimanche, eh bien, moi, je la regarderais. Parce que je comprends pas pourquoi ils font faire de la télévision à des curés qui sont même pas professionnels. Et le raid, vous savez ce que c'est que le raid? Pas du tout. Eh ben le raid, c'est une sorte de police qui ne boit pas. Ou très peu. Ah ouais? Ouais. Oh, on s'en marre bien quand on est con, je te jure. Non, 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 mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Bah ouais, pourtant, 1 heure de retard, ça lui ressemble pas. Hein. Bah ouais. Oh là, oh là, oh là, mais vous n'auriez pas oublié? C'était hier soir à minuit. Ah ben oui, hein, j'ai avancé. Hein. Eh ben non, fallait reculer. Ah, pour avoir 1 heure de jour supplémentaire, voilà. Il faut reculer. Voilà. Oh, mais pas du tout, faut avancer. Parce que quand on avance,
Eh ben, on est au lit plus tôt à cause du jour. Ah non, 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 c'est le contraire. Hein, plus les jours sont longs, plus tu te couches tard, puisque tu gagnes qu'une heure de sommeil. Non, attendez. Mais si, puisque le matin, il est 9 heures. Hein? Voilà. Ah ben donc, ça fait 7 heures. Voilà. Non, 7 heures, c'est en hiver. Eh ben donc, on recule. Ah, eh ben si on recule, on est encore en hiver. Eh ben, c'est bien ce que je disais. L'hiver, avec le froid, les jours, ils rétrécissent. Tandis qu'avec la chaleur, l'été, il rallonge. Ah ouais, ça, elle a parfaitement raison, hein. Les jours sont longs, mais, et sauf les matins d'été. Là où il fait frais. Alors là, ça va pas vite. Ah, d'accord. Ouais. Bon, alors, au final, on a des journées de 24 heures comme prévu. Bah oui. Oui. Eh ben alors, pas de problème. Ouais, mais moi, en attendant, si mon cadran solaire, j'avais dans le jardin, on me l'a volé. Oh, mais pas de bol. Et dire que ça va être comme ça tout l'été, tout le temps des travaux. Ouais. Tous les matins, il nous fait la même rengaine. Il y a des travaux au monastère. Ah ouais? C'est le père forateur qu'on entend. Oh. Un petit vin blanc comme d'habitude. Comme d'habitude, petit Rambet, venez, pour vous consoler. On s'est cotisé entre nos collègues. Ça remplacera peut-être votre cadran solaire. Non, ben merci. Ah, chouette. Non, les Chinois, c'est pas un roi, c'est une reine. Oui, non, mais il y a quand même un roi, parce que c'est des coupes, non? Un peu comme en Belgique. Ah ben, parce que ça va par couple aussi en Belgique. Et aussi en Chine. Et vous êtes sûr que c'est un roi en Chine? Non, une reine. Vous êtes sûr que c'est une reine? Ah, j'ai dit en Chine, oh. Non, c'est au Japon. Ah, oui, c'est au Japon. C'est une reine au Japon? C'est pas plutôt un président? Non, c'est un roi. Voilà, c'est le roi du Japon. Et pas de reine. Oh, je sais pas. Oh, bon, je sais pas. Ça va pas par couple? Et si, il n'y a pas de raison. Mais au Japon, les mœurs sont orientales. La femme reste au harem. Oh, ouais. Mais en Angleterre, eh ben, c'est surtout la reine qui sort. Si. Oui, bien sûr. En Belgique, c'est le roi. Mais les mœurs sont plus orientales en Belgique qu'en Angleterre. Et il y a combien entre les deux? Je sais pas. Oh, je sais pas. Milbon. Oh, pas tant que ça. Ah, quand même. Ah, ben, j'aurais pas dit que tiens. Enfin, en attendant. C'est rudement plus intéressant de parler des rois que de parler des présidents. Hein, parce que... Et vous avez remarqué que Robert Mitchou, il a le même prénom que Robert. Ah non. Si. Oh, oui, j'ai remarqué ça hier en regardant un film avec Robert Mitchou, justement. Ah, t'as vu? Oui, attends, je m'explique. Ouais, parce que c'est pas clair ton truc là. Robert Mitchum. Robert Mitchum? Vivi. Robert. Ah, la télévision! Vivi. L'avantage pour le président de la télévision par rapport aux autres présidents, c'est que quand il rentre chez lui, s'il veut savoir si son personnel travaille toujours quand il n'est pas là, il suffit qu'il allume la télé. Logique. Tout le monde est dedans. Logique. Ça travaille. Ouais. Imaginez, il allume son poste. Il n'y a plus personne. Tout le monde s'est tiré. Chez Danone, quand le patron est parti, tout le monde dort dans les pots. Oh, monsieur Latour.
Pierre Rabé, vous découragez pas, vous allez en trouver du travail. Alors, et si ça se trouve à midi, vous en aurez retrouvé du travail. Ah non, à 11h. Oui. Et si on recule, il va retrouver du travail à 13h. Mais oui. C'est des bêtises que vous me dites là. On est en été. Ah ouais. Il va gagner une heure sur sa recherche d'emploi. Voilà. Mais si on gagne une heure, eh ben, il est encore chez nous. Ça, c'est bon. Et Pierre Rabé, c'est grâce au soleil, regardez. Il vient vous chercher. Alors, faut pas vous décourager, voyez. Comme quoi le chômage, hein. Eh ben, c'est quand même vraiment une crise. Hein. Ouais, puis une crise cosmique, hein, oui. Voilà. Exactement, hein, pile. Hein? Ouais. Et mes enfants, le monde appartient à ceux qui ont des ouvriers qui se lèvent tôt. Ah ben ça, je suis d'accord. Aux ouvriers qui se lèvent tôt. Il y a des gens qui meurent de vieillesse à 50 ans, d'autres à 60, d'autres à 90 ou même à 100. C'est vraiment n'importe quoi la vieillesse. Il va mourir? Oh, mais je ne sais même pas s'il va y arriver. Hey, tu sais, la médecine, elle ne fait pas de miracle. Hein. Ouais. On n'a jamais vu un chirurgien faire apparaître la Sainte Vierge. Hein. Ouais. Mais si tout le sang est contaminé, il faut dire aux gens, enlevez votre sang. Les gens, ils viennent à l'hôpital pour se faire enlever le sang. On les vide, on les rince à l'eau, bien propre. Et à la place, on leur met quoi, ma chérie? Mais du synthétique, parfaitement du synthétique, étudié et fabriqué pour pas que nos microbes disent mais non. Oh bah tu sais, un jour on nous vend du sang contaminé. Oui. Le lendemain on nous arrête de fumer parce que c'est soi-disant pas bon pour la santé. Oui. Une maladie chasse l'autre. Oui. Hein. Ah bah oui, on a guéri la peste, on a eu le sida. Eh ben on n'aurait pas guéri la peste, on n'aurait pas le sida. Mais quel est le con qui a guéri la peste? Moi si on m'annonce que j'ai un cancer, mais je rigole pour faire chez le docteur moi. Oui mais alors dis donc, c'est vexant. Surtout si c'est un grand professeur. Ben, le mieux à dire un mourant, c'est qu'il a chaud au pied. Hein. Ouais, ben moi, quand je vais mourir, je vais me faire incinérer. Il paraît que ça fait pas mal. On sait toujours pas qui prévient les asticots quand il y a un mort. Non. Alors, comment tu trouves? C'est bon, hein? Moi, quand j'ai faim, je m'en fous du goût. Hein. Oh bon? Même quand c'est bon? Ben, je m'en fous, pareil. Oh, bon. Béni le président. Oh, tu vas la fermer, tu vas jouer avec ton flipper, elle ne nous embête pas, hein? Et Raymond Barre, hein. Il se paye l'eau d'amour. Il s'emmerde pas, Raymond Barre. Hein. Allez, amuse-toi, ne nous embête pas. Et on ne sait toujours pas qui prévient les... Non, c'est pas les asticots. Quand t'es morte, t'as les cheveux qui continuent à pousser. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, Pompidou, il doit avoir la tête de... Antoine! Exactement, c'est pile! Oh, bah alors là, c'est Pompon! Ah! T'es là! Hein? Tu sors tout de suite! Tu poses ton verre, tu remues ton gros cul, hein? Et tu viens tout de suite! Hein? Sinon, c'est pas la peine de remettre les pieds au boulot! Hein? Tais-toi, hein, tu me dis t'en as pour 5 minutes, ça fait 2 heures que je te cherche, hein, Luc, tu me reconnais, hein, c'est moi, Patrick, hein, bon, alors, primo, hein, t'as tous les pinceaux, toutes les raclettes, toutes les brosses sur le trottoir, t'as foutu la merde partout, hein, les pots de peinture sont renversés. Et puis les dessins porno sur les volets, c'était pas obligé ça non plus, hein? Bon, hein? Et puis, les trucs, excuse-moi mon petit Patrick, je recommencerai plus mon petit Patrick. Maintenant, j'ai arrêté, ben, je prends des cachets maintenant que j'ai un fils, hein? Je recommencerai plus.
te rembourserai, même l'avocat, hein? T'es mon frère, à la vie, à la mort. Terminé, hein? Et arrête ton sire et ne fais pas ton sourire à la con, là, hein? C'est pas parce que t'es marié avec ma sœur que je te foutrai pas à la lourde, non, hein? Oh, quelque chose, ça. Oh, putain, et les clés de la camionnette? Parce que la camionnette, elle est toujours sur le front tournant, hein? Allez, on se dépêche. Ah, hein, bon. Une seconde, hein? Je te donne une seconde, hein? Et pas plus, hein? Ça, c'est glorieux, là, d'ailleurs. Mais on va même pas oublier un canon, hein? Bah, tu vois, moi, hein, ouais. Je suis comme toi, c'est pareil. Hein. Même quand j'ai très faim, ouais. Le goût, je m'en fous. Hein. Eh ben, moi, je dis qu'il vaudrait mieux mourir une fois par jour que tout à la fin. Là. Tout, plutôt tout à la fin, là, ouais, franchement. Ouais. Quand on a une vie de con, on s'en fout de mourir, on n'en a pas peur. Ouais. C'est la philosophie de ma vie. Toi, t'as une vie de con, comme tu dis. Hein. Faut surtout pas être intelligent, parce que tu souffres pas plus, hein. Eh ben, Pompidou, il chaussait du combien? Ben, pourquoi bon. Tu me demandes ça? Bon, pour savoir combien Pompidou chaussait. Bon, je sais pas, moi. Oh, personne ne sait. C'est ça. Ah, la gamine. Ah, allez. Bonjour, pa. Bonjour, ma fille. Bonjour, ma grande. Bonjour, ma. Ah. Alors, c'était quoi ce matin, ma chérie? Hier, le professeur venu. Je sais, il était là toute la matinée, alors. Ah, ben ça, c'est l'avantage d'avoir le café en face de l'école. Ah, bah oui. De toute façon, ils vont le renvoyer. Eh ben tant mieux. Comme ça, on leur a promis d'eux aussi. À la place, on a eu cours sur l'utilisation du préservatif. Ah, le préservatif, moi, je suis d'accord. Mais pas sur la fraise, tout de même, hein. Oh, ben moi, j'aime tout. Ah oui. Boudal, poisson, beefsteak. Oui, mais il y a certains pays où le beefsteak, ils aimeraient l'avoir sur l'os que dans leur assiette. Ah. Bon, je monte dans ma chambre, faut que je téléphone. Alors attends, je remonte avec toi, j'ai des choses à faire. À tout à l'heure, les filles. Bon, les filles, vous, attention, moi. Hey, tu te rends compte? C'était un petit spermatozoïde, grand comme ça. Il n'avait même pas de bras. Et aujourd'hui, ça téléphone. Ça, c'est pas dingue. Ouais, c'est ça. Hey, quand tu manges du vin aux hormones, t'as les seins qui poussent. Hein? Et tu peux manger n'importe quoi, ton petit spaghetti. Nada. Enfin, tant qu'on a la santé, on n'est pas malade. Allez, à la note. Hey. M'en fous, de toute façon, j'aime pas le veau. Ah, t'aimes pas le veau. Mais... Je suis peut-être peintre en bâtiment, mais je suis aussi poète. Hein. Ah ouais. Tu veux, je te le dis. Ah oui. Le commandant Cousteau. Oui. Du haut de son bateau, la Calypso. Oui. Ce salaud, il pisse dans l'eau. Bon, toi, si tu continues, je te vire. Hein. Oh, on a l'impression de picoler chez Damoclès, chez toi, là, non? Puis, d'abord, ta Mirabelle... Elle est énervante, hein, ta Mirabelle. Écoute, si t'es pas content, t'as le Rinato, le Bon Accueil, le métro, le Colisée, le Square, la Boule d'Or, le bateau, les sports, ta rue de Paris, chez André, la Marine, la Cigale, chez Marcel, la Chope, le Commerce, l'Escale, le Grillon, t'as Centreville, le Majestic, le Mistral, le Régent, le Roussillon, t'as la Gare, le Terminus, le National, le Muscadet, les Enculés de la Rotonde. Et si t'as encore soif, mon pépère, si t'as encore soif, t'as Centrale, la Comète, le Palace, le Caporal, le Cuny, et même les Enfoirés du Sancerre. Alors, hein. Bon, et ben puisque c'est ça, moi je vais aller à celui du milieu. Oh. Ceux-là, au moins, ils sont sympas. Ah ouais, oui. La Boule d'Or, le National, le Muscadet. On m'a jamais parlé comme ça. Et puis, je vais pas mourir avec ta Mirabelle non plus. Hein. Mais personne n'a envie de mourir, personne. C'est bien le seul truc que personne n'a envie avec chier dans son froc, hein. Oh. La viande. C'est pas mon patron hein, qui va aller l'acheter, la viande. Hein. C'est moi qui vais aller l'acheter, la viande. Bonjour. Bonjour. Et puis, c'est qu'en sortant à 8 heures que je vais aller l'acheter, ma viande, si c'est permis.
Bon, il y a les légumes, c'est vrai, les légumes, c'est bon pour la santé, mais pas tous les jours, faut varier. Bon, moi, j'ai de la chance, on sort à 6 heures, je vais tout de suite chercher ma viande. Ah, ouais. Moi, j'ai de la chance pour ça, hein. Ouais. Bon, j'ai pas raison, c'est pas vrai. Si, si, bon. Bon, alors, les gars, le gamin, il fait une carence en viande. Hein. Eh ben, c'est pas mon patron hein, qui va venir faire les piqûres, hein. Et c'est l'infirmière, hein. Et l'infirmière, quand elle vient à la maison, ben, ça coûte, hein. Alors, moi, je préfère aller acheter ma viande, hein, pas vrai? Oh, ben, t'as raison. Patron! Oui. Deux demi! Deux. Attends, frère. Eh ben, moi, j'ai un copain boucher. Il est tellement beau que quand tu rentres dans sa boucherie, oh, on dirait que c'est de la viande. Merci. Et tapis, tapis, si tu le mets en prison, eh ben il rachète la prison. Cousteau, il peut pas picoler dans son boulot, hein. Il peut pas se permettre d'être une éponge, lui, hein. Eh ben non. Belmar, eh ben il est toujours jeune cet homme. Oh punaise. Trop jeune, ça c'est les piqûres de jus d'embryon qui font ça. Eh, oh. Hey, Vanessa Paradis. Eh ben c'est pas le ménage qui l'étouffe, la gamine. Eh ben un cas par contre qui est jamais malade, hein, eh ben c'est Michel Drucker. Ah ouais, hein? Et Belmar? C'est du d'embryon hein, qui fait ça, hein. Si, si, attends. Ah. Eh ben, au crédit, Yonnet. Eh ben, il n'y en a pas un qui est Yonnet. Eh ben, la musique que j'aime bien, de Mozart, eh ben, c'est celle de l'UAP. Ah ouais. De vodka, c'est parti. T'as vu? Elle a de la culotte de cheval jusque sur les joues. Je sais pas si t'as vu ça. Eh ben moi, la journée du sida, je ne sors pas. Tu savais que les Allemands, ils étaient pas sensibles aux chatouilles? Tu savais pas ça? Non, je savais pas. Oh, ben moi, j'en connais une que à 8 heures, elle va être au lit, patron 2. Hey, retourne-toi. Pourquoi? Bah, retourne-toi, je te dis. Pourquoi? Mais vas-y, retourne-toi. Non, mais pourquoi? Mais n'aie pas peur, retourne-toi. Tourne, je te dis. Tourne, je te dis. Retourne-toi. Pourquoi? Bah tu verras bien, retourne-toi. Non mais je verrai quoi? Tu verras, retourne-toi. Pourquoi? Mais vas-y, retourne-toi. Qu'est-ce que tu vas me faire? Mais rien. Allez, vas-y, retourne-toi. Allez, tourne. Allez, vas-y. Ben voilà. Ben dis donc, mais t'es pas très poli de me tourner le dos. Ah oh, ben celle-là, je m'y attendais, tiens. Ah, bonjour. Je vais finir. Bonjour. Vous voulez venir la soirée avec moi ce soir? Arrête. J'ai une petite chambre d'hôtel à côté. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Je vais être bon cœur pour un petit. Je suis à 3 ce soir. À 3? Mais c'est gourmand, toi, dis donc. Tiens-moi un canon. Prends des forces, alors. Allez. Santé. Elles vont s'envoler, là. C'est qu'elles veulent y aller. Elles veulent y aller sans presser, là. Oui. Oui. Allez, je t'écoute. Quand on mange du saucisson, hey. Hein,
eh bien, on parle pas pareil que lorsqu'on mange des œufs. Ah, ouais. Vous avez remarqué? Ah, pas vraiment, non. C'est ce qu'on mange qui décide de ce qu'on dit. Vous avez remarqué? Ah, non, pas vraiment. C'est comme les riches et les pauvres. Ouais. Eh bien, ils parlent pas de la même chose. Parce qu'ils mangent pas pareil. Bachelard, Bachelard. Ouais. C'est un philosophe. Ouais, ouais. Comme vous et moi, tout simplement. Remarquez, parfois, je me trouve un peu compliqué, mon ami. Ben, oui, bien sûr. C'est quand on ouvre un cerveau en deux, n'est-ce pas? Eh bien, on ne voit pas l'intelligence. Ah, oui. C'est comme quand on ouvre un réveil en deux. Eh bien, on ne voit pas l'heure. Vous avez remarqué? Deux vodkas de couilles. S'il n'y en a pas, deux vodkas. Ah, c'est parti, deux vodkas de couilles. Bon, allez, ce coup-ci, c'est pour de vrai. Tourne-toi. Pourquoi? Tourne. Ah, non, non. Mais si, vas-y, tourne-toi. T'as un truc. Quoi? Un truc. Non, mais quel truc? Bah, un truc. C'est pas la peine d'essayer, de toute façon, t'arriveras pas à l'attraper. Non, mais où? Allez, bah, tourne. Non, 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 non. Mais si, vas-y, tourne-toi. Je suis sûre que c'est du bidon. Mais non, je te dis que t'as un truc. Non, mais quel truc? Bah, un truc. C'est du bidon. Mais non, c'est pas du bidon. Bon, après tout, moi, je m'en fous, hein. Je te le laisse, hein. C'est ça, laisse-le. Ouais. Allez, hop. C'est dur de vieillir. Oh, là, là, là. Regarde, Marlon Brando. Eh ben, on lui donne plus que des rôles de facteur. Et tu sais, eh ben, les policiers anglais, on peut les traiter de gros cons, hein. Ils disent rien. Et sauf ceux qui comprennent le français, quand même. Bon, allez, sans déconner, tourne-toi. Non, non, mais pourquoi? Mais ça va tout dégueulasser. Tu m'as mis un truc. Mais non, il y était. Allez, tourne-toi. Tourne. Allez, vas-y, tourne-toi. Retourne-toi. Tourne-toi. Ah ben, dis donc, mais t'es pas très poli de me tourner le dos. Et ça te fait rire? Un an d'âge mental. Oh. C'est pas du vent. Ça souffle fort. Ça arrache les choses. C'est pas du vent. C'est moins que ça. Un souffle même pas. Rien bougeait. Le bout du haut des herbes ne bougeait pas non plus. L'air avançait. Mais c'était comme si c'était pas elle qui bougeait, comme si c'était autre chose qui bougeait. Mais pas l'air, pas le vent. C'était comme si c'était moi qui passais. Mais pas le vent. C'était comme si c'était moi le vent. Et pas du grand vent. J'avais rien emporté avec moi. Je marchais, les mains dans les poches, au bord de la rivière. Même la rivière coulait pas. Rien bougeait. Rien. Rien. C'est moi qui bougeais. Que le vent et moi au bord de l'eau. Et le vent, c'était pas du vent. Et moi, c'était pas vraiment moi. Faut dire que j'avais rien bu depuis 8 jours. Un impôt sur la connerie. De toute façon, moi, je paierai pas. Eh bien non, j'ai pas peur de l'Europe, moi. Je suis pas un bénin, non. Le coup, eh ben quand tu te laves les cheveux, eh ben il en profite pour laver les siens aussi.
Oh oui. Ça fait 15 ans que je suis habillée pareil. Moi, je dis que ce sont les gens sales qui se parfument. Eh bien, moi, je ne bouge jamais pour sentir une fleur. C'est le parfum qui se déplace. Moi, dans une autre vie, j'étais un oiseau. J'adore le maïs. Eh bien, moi, j'ai eu 3 gosses. Comme ça, c'est fait. Eh bien, moi, je ne sais pas comment ils font pour mettre de la musique en cousteau et sous l'eau. Hein. Moi, mon voisin, il est dermatologue. Il enlève les points noirs aux coccinelles. Moi, la poésie, eh ben, si c'était un sport, eh ben, ça me ferait bien chier. Hein. Eh ben, moi, je dis que rien ne peut remplacer l'enfance. Et surtout pas les gosses. Hein. Est-ce mon chat ou est-ce mon riche?
ça sert à quelque chose. Jésus, il a eu son bac. Moi, j'ai vu un parachutiste traverser un arc-en-ciel. Et ben après, il était bon pour la douche. Moi, c'est Georges Cousset qui m'émoustille. Et ben moi, si je regarde trop longtemps les nichons, ça me fait pas d'effet. Ça m'excite plus du tout. Faut que je regarde juste un petit peu. Moi, je dis que dans chaque homme, il y a un début de crotte. Eh ben moi, je connais un extraterrestre, mais pas ici, à la campagne. Eh ben moi, je refuse la facilité. Moi, pareil. Eh bien, moi, je pense que quand King Kong escalade la tour, normalement, hein, je dis bien normalement, eh bien, les gens dans les bureaux, ils devraient voir ces grosses couilles collées sur les vitres. Normalement. Et moi, les champignons mortels, j'en mange. Eh ben, ça ne fait rien. Moi, de la pisse de chat, tu ne m'en feras jamais boire. Hein. Même si j'ai très, très soif, de la pisse de chat, ah non. Moi, j'ai toujours pensé qu'une jolie raie des fesses, eh ben, c'était du sourire qui servait pas beaucoup. Descendre le grand escalier en ascenseur, elle est pas de personne. Et ben moi, quand je serai vieille, et ben je vais mourir au bistrot, comme Molière. Ça vous dérange pas si on vous laisse une affiche? Oh, c'est pas du porno, moi. Oh non. Oh là là, le bus, il m'attend. En concert par le cœur des mois. Oh, ben ça promet. Moi, tu sais, c'est rare que je dise des choses comme ça. Mais pour moi, t'es une merde. Enfin, non. T'étais... Je te voyais dans la chorale, je disais, celle-là, c'est une merde. Et alors que maintenant, t'es la meilleure copine que j'ai dans la chorale. Les autres, ces enfoirés, entre eux, ils disaient que t'étais une merde. Par derrière. Moi, je te le dis par devant. Hein. T'es une... Non, enfin non, t'es une merde. Finalement, c'est toi la mieux. Tiens, par exemple, ma femme, elle s'en va. On m'en fiche. C'est toi que je préfère. Tu sais, c'est rare que je dise des choses comme ça. Hein, ma petite merde. Eh ben, moi, je voudrais pas qu'Elvis Presley soit mort dans son lit. Hein. Bah, dans les WC toilettes à Memphis. Ah bon? Ah bah j'aime mieux ça. Eh, hey, oh, ça va bien, hein? On peut pas déquiloser les jambes 5 minutes, non? Mais les chants, ça se fait aussi avec les pieds, non? On n'a jamais vu de pianiste avec de beaux pieds, hein? Eh bien moi j'habite à la côté de la Cité des Sciences. Ah bon? Ouais. Bon, ça se voit pas. Eh, Bita, je l'ai fait, hein? Mon nom de code, c'est Cacahuète. Cacahuète! Ah ben là, ça se voit! Et dis donc, ils ont écrit connasse sur sa boîte aux lettres. Oh. Le pire, c'est qu'elle continue à recevoir du courrier. Oh.
Cette fois-ci, bouche à la reine. Bouche à la reine. Bouche à la reine. Bouche à la reine, bon, pourquoi bouche à la reine? Oh, ben, elle est vexée, là. Bouche à la reine. Bonjour, ça va? Ouais. Dis donc, j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi t'écris pas à une agence pour avoir une femme? Arrête, c'est des arnaques. On t'envoie des photos de belles, et si t'es d'accord, manque de bol, eh ben c'est une moche. Mais t'as qu'à draguer. Bah, où? Bah dans la rue. Quelle rue? Oh, je sais pas, là devant. Là devant? Ah, pas juste devant, un peu plus loin quand même. Là, au bout de la rue? Mais pourquoi pas? Ah, mais au bout de la rue, il n'y a pas de femme. Et le jour de marché? Ah ben, le jour du marché, au bout de la rue, c'est des camions. Oh. Et, écoute, moi, j'ai pas de conseils à te donner, mais à ta place, eh ben, j'écrirai à une agence. Allez, tiens, bois un coup. En attendant. Oui, il est bon. Ouais, pas mal. Ben, tu sais pas, le vétérinaire, l'autre jour, il lui met un doigt dans le fion. Mais tu sais pas ce qu'il me dit? Ben, non. Il me dit, votre chienne, elle a rien. Ben. Pourquoi il lui met un doigt dans le fion si elle a rien? Ben, pour voir. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour savoir si elle a rien. Oh, ben, ça, c'est leur histoire à eux, ça. Et j'ai payé, moi, con que je suis. Cher. Ben, attends, ouais. Puis je tape ma chienne, c'est moi qui paye, évidemment que c'est cher. Écoute, vieux, j'ai pas de conseils à te donner, mais à ta place, j'écrirai à une agence. Oui. Eh ben, moi, je trouve que Johnny Hallyday, il est supérieur à l'homme. Dans le sens où l'homme ne chante pas. Alors que Johnny Hallyday, lui, il chante. Johnny Hallyday, le chanteur. Ah ben oui, le chanteur, Johnny Hallyday. Il est, waouh, au-dessus de l'homme. Ah bon, et pourquoi? Mais c'est de pire! Non, mais t'as pas le droit de dire ça! T'as le droit de dire que t'aimes ses chansons, mais t'as pas le droit de dire que Johnny Hallyday est supérieur à l'homme! Eh ben, j'ai ce que je veux! Je suis une rebelle d'abord! Oh. Oh ben tiens, là lâche-toi! Eh ben, moi je m'en vais parce que d'écouter vos âneries, il y en a. Johnny Hallyday est supérieur à l'homme! Johnny Hallyday! Oui, eh ben, moi c'est pareil, je me tire parce que j'ai pas de sous! Oh ben, ça change pas beaucoup! Ah non! Salut, ma grande! Ah, attends, je vais te montrer quelque chose. Oh, attends, quelle est ma bouteille? Tiens, moi, comme une nouvelle. Tu bouges pas. Attends. Un, deux, trois. Soleil! Attends, bouge pas. Allez. Bouge pas. Un, deux, trois, soleil. Ah là là. Ne bouge pas. Si tu trouves une merde dans ton jardin, et bien la moitié est pour toi, et l'autre moitié, et bien c'est pour l'État, hein. Le pastis, c'est les vacances. Et bien le Ricard, c'est le boulot. Avec nous. J'ai pas trouvé de travail, mais il va me servir quand même. Ah bon. Allez. C'est du vin de chez Bibi. C'est le meilleur, hein, chez Bibi. Ah ben, monsieur. Ah oui, c'est pas mal.
Ah, t'as amené le tapis aujourd'hui? Ah oui. Bernard. Tapis Bernard. Ça me paraît l'air d'y aller. Non, il voulait dire Bernard tapis. Les oh, bah attends, je vais suivre. Oh. Voilà. Oui, des faux cols aujourd'hui. Ah bah attends, au prix que tu le payes, hein. Allez. Je vais sortir de Canaria, hein, parce que sinon il décolle pas de la télé. Ah celui-là avec ses émissions animalières. Hein. 30 millions d'amis, Mabrouk. Mais tu peux plus rien regarder, hein. Il est bizarre ton Canaria. Oh mais il est comme ça. Hein. Eh, tiens, toi. Ah tiens, la caisse bonbon qui arrive. Regarde comme il est joli. Oh, ouais. Beau, il est beau, hein. Oh. Voilà. Oh, puis alors non, ça tombe, hein. Oh, il pleut, hein. Allez, oh là 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 là. Regarde. Oh, j'ai vu un film l'autre jour, hein. Et ben le héros, il vidait un poulet. Ben je trouve que le cinéma français va quand même hyper mal, hein. Oh, le cinéma français, le cinéma américain, qu'on mélange tout et donc qu'on n'en parle plus. Une image française, une image américaine, une image française, une image américaine. Deux. Au cinéma, ça sert à rien. 24 images à la seconde. De toute façon, on n'en voit qu'une. Proust est tombé dans le domaine public. Tout le monde a le droit d'écrire de Proust. Ah ben c'est ça, la créativité. Je suis pas contre, mais faut pas exagérer quand même. Hein. L'embêtant dans la peinture, c'est que ça met longtemps à sécher. Que la sculpture, c'est tout de suite prêt. Oh, je cherche partout comme mon chapeau. Oh. Oh. Oh, laissez-moi rire. Et qui c'est qui a eu cette idée-là que je lui dise bravo? Personne. Et qui c'est le petit génie que je lui remette le 7 d'or? Le 7 d'or de la mer dans mon chapeau. Et un chapeau tout neuf. Sur les chapeaux, là où je suis né, mais tout le monde en a. Hein. La campagne. Ouais. Tiens, l'autre jour, un nuage en forme de couille au-dessus du pré qu'on était avec les enfants. Eh bien, il y a la peine de faire 200 bornes si c'est pour pique-niquer sous une couille. Enfin. Mais, franchement. Mais à la campagne, c'est bien la campagne. Tu ouvres la porte, eh ben t'es dehors. Ouais, mais moi j'ai perdu le contact avec la nature. Alors tu vois, dans les bois, ouais. Ben, je me fais chier. Ah ben oui. Ah. Tiens, on est allé au Louvre avec les enfants. Ah. On n'a même pas pu s'approcher de la Joconde. Ah ouais? Mais à cause du monde. Ah, c'est con parce qu'il n'y a que ça de bien. Ouais, c'est vrai, moi. Ce que je préfère, c'est les tableaux genre la Joconde, justement, parce que ça a gardé le caractère musée. Ouais. C'était quoi, toi? Un, deux, trois, ben je l'avais. Okay. D'accord. Et les peintres qui cherchent des femmes pour poser nues, eh bien, une fois sur deux, eh ben, c'est pour faire des photos à poil. Eh oui. Ah bah oui, les peintres, hein. C'est soit des bonnes femmes qu'ils peignent, soit des bananes. Ou du jambon, comme Van Gogh. Mais lui, hein, c'est pas Matisse, hein. Matisse, c'est l'humour de Van Gogh.
comme l'église de la Madeleine et les murs du Parthénon. Le Parthénon, oh, tu sais, dans les fouilles archéologiques, ils trouvent de ces merdes complètement rouillées. Même neuf, ça valait rien. Ils trouvent des trucs romains que les romains de l'époque, hein, ben, ils seraient pas baissés, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils les trouvent. Le romain l'a laissé par terre, et c'est un mec de maintenant qui les trouve. Moi, je vois un truc par terre, et ben je me baisse pas. Ben je laisse ça à ceux qui se baisseront dans le futur. Tout le monde se baisse bien à l'époque qu'il veut. Hein. C'est ça hein, l'archéologie. Hein. Finalement, hein, ben faut attendre hein, pour se baisser. Tu sais, je t'ai toujours dit ce que je pensais. Eh bien, alors là, non, maintenant, là, je ne pense rien. Eh bien, je te le dis. Là, 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 c'est quand même pas rien de voir ça. Regarde-moi ça, les épluchures qu'il m'a faites. Oh, t'exagères. On croirait de l'art nègre. Eh, en parlant de ça, au Gabon, ils n'ont pas de président, ils n'ont qu'un maire. Ah ben moi, je trouve que c'est largement suffisant pour eux. Oui, mais justement, on m'a dit que les cannibales avaient les spermatozoïdes qui se bouffaient entre eux, dis donc. Oh bon? Oui. Oh ben ça, je savais pas. Tu savais pas? Ah là, non. Oh, ben non. Eh, à Vichy. À Vichy? Ben oui, pour la fleur, les balades. Ah bon, à Vichy. Martini appelle à verre. Je répète, Martini appelle à verre. Mais à Martini, j'écoute. On fait un carreau au bureau. Tu viens? Ah, oh, ben non, là, je peux pas. Là, je suis à l'annexe et je fais une piste. J'ai pas de bras non plus, là. Hein. Vous avez qu'à prendre la gueule du G, ils ont pas de patron aujourd'hui. Oh là là. Moi, j'y ai dit à mon gamin. Ouais. Ça, j'y ai dit, hein. Si un jour tu veux rentrer dans la police, ben je suis d'accord. Ah ben, ouais, ben. T'as bien raison. Ah oui. Ben moi, je sais pas ce que j'avais derrière la tête quand je l'ai épousé. Hein. Mais alors maintenant, en tout cas, j'ai des bosses. Et tu sais, un jour c'est le Sahel, le lendemain c'est le Soudan. Ouais. On en sort à la mer, c'est l'autre qui se met à déconner. Ah mais je dis non, 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 non. Faut pas pousser trop loin le bouchon. Plus tu leur envoies de l'aide humanitaire, plus ils sont maigres. Ah oui? Tu sais quoi? On serait mieux de leur envoyer de la bouffe. Eh ben oui. Raison, raison. Beaubourg, Beaubourg, c'est le temple de la culture. Et en haut du temple, eh ben t'as la cafétéria. Eh ben c'est drôlement bien fichu ce truc-là quand même, hein. Tu sais quoi? C'est De Gaulle qui a commencé le centre Pompidou. C'est Giscard qui l'a fini. Et Pompidou, il n'a rien foutu. Ah ben en tout cas... Ben c'est beau, Beaubourg. Hein. Mais moi, leur Beaubourg, je ne le mettrai même pas dans mon jardin. Peut-être, mais c'est beau, Beaubourg. C'est beau, Beaubourg. Oui, madame, c'est beau, Beaubourg. C'est beau, Beaubourg. C'est beau, Beaubourg. D'abord, on ne dit pas c'est beau, Beaubourg. On dit deux points, c'est beau, Beaubourg. Eh ben, deux points. Et je trouve que t'as un gros cul. Ça va, ça? Ah! 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 Et puis d'abord, est-ce que seulement tu as le tour Rubens? D'abord. Ils sont arrivés? Ben oui, ils sont là depuis une heure. Ben dis donc, t'as la double nationalité, toi. Française et en retard. Hein. Je sais. La politesse était... La ponctualité, c'était la politesse des rois. Ouais. C'était facile pour eux. Il y a quelqu'un qui avait une montre. Ah, oui, ben par l'endroit, on a aboli la peine de mort. Ah, de toute façon, ça n'empêche pas les gens de mourir. Ah. Et qu'est-ce qu'on peut y faire? Oh, voilà. Allez, un petit canot. Allez. Voilà. Mais dis pas là. Oui. Il y a une merde énorme dans tes chiottes. Ah quoi? Mais ça y est, Marcel, mais c'est l'Europe, hein. Ouais, ben Marcel, c'est un prénom qui a toujours été français, ok? Et dis donc, Marcel, pourquoi vous mettez les cirages quand vous arrivez sur la grosse terre? Mais c'est pas nous, c'est celui qui conduit. Oh. Et si la Chine voulait devenir française, on ferait quoi, nous, hein? Mais c'est pas chier, d'abord. Oh là 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 là. De toute façon, c'est pas moi qui irai le remplacer, le Hirohito. On est trop menacés dans ces pays-là. Hein. Et le jazz, c'est du Picasso qui réveille les voisins. Allez, basta! Bon, ben là, moi, je crois qu'on touche le fond, je m'en vais. Et c'est comme ton Sartre avec sa nausée. Ah ben, tu parles d'un titre qui donne envie de lire. Et pourquoi pas la Gerberie aussi? Mais Shakespeare, il n'a jamais lu Sartre, il n'est pas plus con pour ça, hein. Mais d'abord, t'as jamais lu un bouquin de ta vie, ma pauvre. Ben alors, je suis pas mort. Eh ben moi non plus. Ouais, mais avant d'être morte, faudrait être un petit peu vivante. Non mais c'est n'importe quoi. Et Simone de Beauvoir, elle fermait
Non. Tout à fait, oui. Ouais, 17h30. Allez. Ah ben tiens, tu vas. Bon, deux. Si t'es debout, bonheur avec ta femme, ça fait comme des mariés posés sur un gâteau. Pop le gâteau, écrasé. Hé, hey, t'as vu mes nouvelles chaises? Ouais. Hey. Ah, je suis content. Oh, puis alors, qu'est-ce qu'on est bien. Oh là là là. Hé, mais, et ceux-là? Et ceux-là? Oh, une merveille. Ah, faut que je pense à augmenter mes tarifs, hein. Oh, oh, ben... Ils nous proposent aux Américains, non, ouais. Ah. C'est ma broute. T'en vas ton guerre. Oh, tu vas au patchon dans les toilettes, là, où c'est que tu vas, toi? Viens-y, ma broute. Viens voir, pépère. Viens voir, pépère. Oh, pétard, ben, le papillon. Oh, t'es à la mode, toi. Hein? Mon titi. Ah! Allez, dehors sur le trottoir! Là, une poubelle, mais où? Dehors sur le trottoir! Hé, hey, t'oublies pas quelque chose? Tu refonds ton chien et ta crotte, là, et hop! Oh. Le temps est une invention de l'homme, si tu veux. C'est comme le vélo. Sauf que le temps, ça va plus vite que le vélo. Non? Non? Ouais. Et oui! Accoucher dans l'eau, c'est des coups à se remplir. Ouais. L'image virtuelle, tu entres dedans, tu sais plus si c'est réel ou inventé. Avec l'image virtuelle, on sera toujours, partout, jamais, nulle part. Ouais. Oui, ils ont mis le mot chaise dans le dictionnaire. Alors qu'une chaise, tout le monde sait ce que ça veut dire. Ah oui, oui. Oui, bien sûr que si. Hey, à Euro Disney, ils vendent du vin. Mais pour que j'y aille, il faudra qu'ils me le donnent. C'est pour vous, très cher ami. Un bisou pour la panne. Je suis content. Le jour de l'apparition du langage, ouais. L'homme préhistorique parle. Imaginez que c'est un con qui lui répond. Il s'engueule, c'est terminé pour le langage. Oh merde. Et oui, comme quoi, non? Dingue. Et c'est l'instinct grégaire qui pousse les œufs à aller par 12, hein? C'est une connerie, ça, ou tu l'as inventé? Ah non. C'est conneries. C'est conneries. N'importe quoi. Eh, on dira ce qu'on voudra, mais une femme avec ses jolies formes, c'est quand même pas pareil, parce qu'il y a un homme, mais une femme, ses jolies formes. Et puis, oh. Ah non, c'est pas pareil. L'opérette, c'est de l'opéra vinaigrette. Pour la Noël, le petit veut un vélo. J'ai dit non, il en aura un quand ils sauront en faire. Déjà? Non. Si je veux mourir dans mon lit, il faut bien que je rentre. Hein? Vous prenez pas votre voiture, j'espère. Je sais bien que c'est dangereux de conduire bourré, mais on va quand même pas rentrer à pied. Boire un litre en cachette, c'est pire qu'en boire 5 devant tout le monde. Psychologiquement, je parle. Ah. Et moi, mon grand-père allait au café. Mon père allait au café. Et moi, ben moi, je vais au café. Comme ça, dans la famille, on a le pinot dans le sang. Ah. Mais dans le fond, le café,
C'est la vie. C'est quand on a bu qu'on fait des enfants. Ah ouais, c'est vrai. Ah là là là. Hé, je suis sûre que celle-là, tu la connais pas. Qu'est-ce qu'il va nous sortir? Ah. Moi, je ne cours pas, c'est ça. Quand t'as une chaussure, c'est difficile à chausser. Un bon petit coup de bière. Ça ramollit le cuir et c'est impeccable. Maison Mézard, n'oubliez pas, hein, Maison Mézard. Mais c'est vraiment pas le jour, écoutez, c'est vraiment pas le jour, hein. Et dis donc, si t'as un gosse à 62 ans, quand il en a 100, toi, tu as 162 ans, non? Eh ben, c'est beaucoup trop. Ouais, moi je dis que c'est beaucoup trop. Hein. Ah. Quoi? Ouais, dans ton verre avant de partir. Ouais, bah, ah. Et, quand j'étais petite, eh ben, je passais des heures à regarder ma grand-mère qui faisait des confitures. Hein. Et ben maintenant, dans les boîtes de nuit, t'as des gonzesses à poil qui se battent dedans, dis donc. Mais à l'an 2000, vous verrez, les grands-mères, elles feront les fusées. Ah ouais. Ouais. Ben moi, je m'en fous pas mal. Le monde a changé, hein. Le monde a changé. Oui, ben moi, je m'en fous pas mal. Parce que tout m'ennuie. Eh oui. À la campagne, je m'ennuie. À la mer, au boulot, je m'emmerde comme c'est pas permis. En famille, je t'en parle même pas. Je regarde même plus la télé, quel intérêt. Franchement, quand on voit les conneries que font les gens qui s'ennuient pas. T'as vu Disneyland? Et les constructions au bord de la mer? Et les autoroutes? Faut voir ce qu'on a fait à la montagne pour les gens qui s'ennuient pas. Inimaginable ce qu'on a détruit pour occuper les gens qui s'ennuient pas. Au contraire. Les gens qui se font chier, eh ben ils se font chier partout. Ils ont besoin de rien. Juste un peu d'ennui. Tu sais, si le monde s'ennuyait sur Terre comme ça tout le temps, eh ben ça irait beaucoup, beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Hein. Moi, je te le dis. Hein. La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. Mais ta gueule, ta gueule. Mais qu'est-ce que je disais? Oh, eh ben moi, je recommence avec ma chaussure, parce que je te jure que l'autre m'ouvrait de passer comme une bête à la poste. Oh, ouais. Wow. Elle, la mémé, elle avait des bonnes idées quand même. Hein. Wow. Oh, dis donc, oh, qu'est-ce qu'on se sent bien. Elle s'est rendu compte qu'elle avait deux chaussures. Oh. Et la Maison Mézard, n'oubliez pas la Maison Mézard. Mais je vous dis que c'est pas le jour. Comment il faut vous le dire que c'est pas le jour? Oh. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai tout mon temps. La Maison Mézard a tout son temps. On nous fait attendre depuis 1870. Il y a certains représentants qui le supportent et d'autres pas. On est comme ça à la Maison Mézard. On est comme ça à la Maison Mézard. C'est comme ça à la Maison Mézard. C'est comme ça à la Maison Mézard. La prison, des fois ça passe vite et des fois ça passe lentement. C'est ça la justice à deux vitesses. Vous n'avez pas de chez vous? Ben si, pourquoi? Et tu sais pas, il met sa perruque à l'envers avec les cheveux dedans, comme un bonnet. Non mais hey, c'est parce qu'il est vieux et puis ça lui tient chaud à la tête. Hein. Et quand je l'ai épousé, hein, je lui aurais décroché la lune. Ben maintenant, je n'ai même pas changé une ampoule dans la cuisine. Ouais. Et ben moi, c'est pareil. Ouais. Ouais. Le Beaujolais nouveau est tellement arrivé, c'est ma femme qui est partie. Ah, allez. Dis donc. Et il faut que j'y aille, hein, j'ai un rendez-vous. Et puis alors, c'est pas bien d'être en retard. Hein. Dans ces cas-là, vaut mieux pas y aller du tout, hein. T'as raison, c'est peut-être plus poli, non? Ah. Ouais, allez, hop. Oula. Ça y est, t'as cassé mon bord. Ouais, tiens, on va mettre un petit peu de musique. Ne dites pas, il faut oublier, tout le sourire qui s'enfuit déjà, il est temps.
Mais ne vous inquiétez pas, madame, j'ai tout mon temps. La maison Mézard a tout son temps. On nous fait attendre depuis 1870. Il y a certains fantômes de représentants qui le supportent, et d'autres pas. Et on est comme ça, la maison Mézard. Oui, c'est comme ça, la maison Mézard. Oui, on est comme ça, la maison Mézard. Oui. Toutes les guerres s'arrêtent le jour de Noël, mais toutes, hein. Oh, ben non, hein. Un petit peu avant qu'on ait le temps d'ouvrir les huîtres quand même, hein. Oh, oui, hein. La liberté, c'est bien quand on est enfermé. Quand on est dehors, on s'en fout, c'est normal. Joyeux Noël. Oh, la fille. C'est ma fille. Oh, super. Joyeux Noël. Oh, tu chantes. Ah, tiens, j'ai mis des clous, viens par ici, ma chérie. Viens, viens par ici. Oh, oh. Hey, aujourd'hui, c'est la maison qui régale. T'arrives pas devant. Fantôme du fantôme de la maison Mézard, n'oubliez pas. Hein. Ça n'arrive pas. Et ouais. Un ailleurs. Oui, mais où? Ben moi, mon rêve, c'est une caravane. Ah, ouais. Ah, ouais. Ouais. Allez, joyeux Noël. Allez, joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. La maison Mézard vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Celui que les motos Ramasprot n'ont pas le droit de dépasser le 130 mois. Pendant que tu dors, l'œil continue de regarder la paupière. Il se fait chier. Ah, c'est vrai, bon spinard. Bon, quelle heure il est? Bon, ben, il est l'heure de fermer. Allez, madame, on ferme. Oh, tout l'argent que les Américains ont gagné avec les dinosaures, oui. Alors que les éleveurs français n'ont même pas vendu leur lait. Je comprends bien, madame, allez dehors, madame. Allez, allez, c'est l'heure. Ah oh, non. Oh si, c'est l'heure, écoutez. Vous avez vu l'heure qu'elle est? Vous êtes levé à quelle heure, vous, hein? Oh, elle est là, l'horloge. Non, non. Oh si, si, allez, hop. Oh. Terrible, tout le monde s'est terminé par la porte. Terrible. On peut bien l'autre. Le dentifrice, oui. T'as beau en acheter, et ben il y a toujours un matin où il n'y en a plus. Allez, hop dehors, allez. Non, petit. Alors un petit, mais on s'en va, allez. Santé, c'est le dernier, allez. Ouais, qu'est-ce qu'il a, lui? Pour faire un chêne centenaire, ouais. Hein, t'as beau mettre tout l'engrais que tu voudras, hein, faut 100 ans. Et Rodin, ouais. Le sculpteur, c'est sa sœur? Ah non, vous, c'est pas la peine, on ferme. Allez, soyez pas mal, ah, c'est qu'il n'en pose qu'on est. Justement, allez, allez dehors. Non, il n'y a pas de produit, parce qu'on n'a jamais vu. Dehors. Génération Sida. Ouais. Génération Sida. Et nous, comment on boule en mobilette? Ah. Hein? Oh. Allez, hop dehors. Oh ben non, encore un petit. Mais t'as raison, prends ta mobilette, non. Hé, je suis là. Où est-ce qu'il est? Non, Yo, ouais. Si tu me vires, moi, ouais. Tu me devras des calvas et du cognac d'indemnité, hein. Allez, dehors. Non. Hé, tu dirais dehors à l'abbé Pierre. Ouais. Non.
Oh bah, il nous parle comme au Moyen-Âge. Heureusement qu'il y a du chômage. J'aurais pas assez de travail pour tout le monde. Ouais, foutez-moi ça. Non, attendez, j'ai tellement mal au guipole, j'ai l'impression d'avoir fait le marathon de New York. Punaise, et puis il y en a marre d'être pauvre, moi je te le dis. Allez, moi je te dis que tu vas aller tapiner dehors et puis pas nous emmerder. Écoute, faut que je te dise, moi j'ai connu un bar. Il a fermé comme ça un soir. Il l'a jamais rouvert. Tant pis, je prends le risque. Allez, Et puis un café qui ferme. C'est comme une dent qu'on arrache. La rue, elle mâche de travers. Dis donc. Qu'est-ce que tu dis, là? Devant une femme comme ça, le cœur, il bat pas de la même façon derrière la cravate que dans le caleçon. Le sexe masculin, c'est ce qu'il y a de plus léger au monde. Une simple pensée le soulève. C'est mignon, allez, rentrez chez vous maintenant. Il fait nuit. Il pleut. Il fait froid. Il y a des loups. Bon, ferme les lumières, on n'en parle plus. Moi, j'ai la lune à côté de chez moi. Des fois, je la regarde. Moi, mon mari, il est parti le jour où on a marché sur la lune. Ah ouais? Si ça se trouve, il est dans la fusée. Bon, vous avez gagné, je rallume, allez. Super. Allez, soyez mignons, soyez gentils. Rentrez chez vous, je suis là depuis ce matin. C'est toute la race des clients que tu insultes. Allez, basta, c'est terminé. Et la galette des rois, on en a pas marre. Et l'infiniment grand, l'infiniment petit, d'accord. Mais l'infiniment moyen, on en a parlé de ça. Et il y a une chose qu'on n'a encore pas parlé. Il n'y a pas de château de la Loire dans les Pyrénées. J'en peux plus. Elle est méchante, mais elle va de m'embêter sans arrêt. J'en peux plus. J'en ai marre. Alors une puce n'a pas de couille, pas la place. On devrait mourir une heure par jour plutôt que tout à la fin. Et la boudamania. Et le premier homme qui a fait quelqu'un. Et avec Mola, on peut faire mille. C'est plus oriental en Belgique qu'en Angleterre. J'en peux plus. Et la Yance, qui c'est qui va chez la Yance, hein? C'est pas mon patron qui va chez la Yance. Alors j'en peux plus. Et Catherine Deneuve, on n'en a pas beaucoup parlé, Catherine Deneuve. Elle a raison. Alors qu'il n'y a que ça de bien. Tiens, les infos, ça va nous changer d'idée. Catherine Deneuve, bonsoir. Quel conseil donneriez-vous au petit théâtre d'un côté de la Reine sur un lit? La sécurité, je crois que, en tout cas, trop de sécurité, je pense, n'est pas une très bonne chose pour les acteurs, mais pour les réalisateurs non plus. Je pense qu'il faut en effet un peu d'incertitude, beaucoup de doute, pour être plus vigilant, le danger, c'est la routine. Catherine Deneuve, merci. Catherine Deneuve, elle part dans mon poste, à moi. Allez, on appelle un petit dernier pour la route. Allez. Catherine Deneuve, c'est la plus belle femme du monde. Alors, on s'en fout qu'elle mange des mouches à merde. Allez, à Catherine Deneuve. Être ou ne pas être.
Une pièce de Jean-Marie Gouriot et de Jean-Michel Ribes. Dans le rôle des patrons, Annie, Jean-Claude. Et leurs nombreux clients, Flavien. Avec notre mascotte Elliot. Et la poule cocotte. La mise en scène est de Michel Foucault. Ouais. Nous tenons à remercier très chaleureusement toute l'équipe de Loisirs et Culture, qui nous a coucounés pendant 4 mois de répétition et à laquelle nous demandons de nous rejoindre pour vous faire un petit coucou.